En classe 40, c'est la mauvaise nouvelle du jour. Les duos Quito de Pavan, Gwen Schlick et Tanguy du Châtelet, Fabrice Renouard ne verront pas les Antilles. Ils ont été contraints à l'abandon suite à des avaries. Bonne nouvelle en revanche pour l'équipage de Volvo qui vient de reprendre la tête. Antoine Carpentier, ancien leader, avait raison de s'inquiéter. Ça recolle derrière. Faut tenir la cadence. Pas craquer, ça va être compliqué. Ça fume sur les flotteurs des multicoques. En ultime, après avoir viré leur marque de parcours, cap sur la Martinique avec une arrivée prévue en milieu de semaine prochaine. Parfait. Ouais, moi je suis Loli. Allez, bonne sieste, Kevin. Les Ocean 50, eux, sont sur la rampe de lancement vers les Antilles. Décollage immédiat. Bienvenue à bord de la fusée Primonial. Aujourd'hui, c'est un express vers la Martinique. On a passé Fernando de Noronha cette nuit, là, au petit matin. Et depuis, on attaque une descente tout chousse. Vous l'avez compris, les skippers de la Transat Jacques Vabre ne veulent rien lâcher. Et rien de mieux qu'un bon remontant pour rester en forme. Parce que quand même, le secret de la Transat Jacques Vabre, en haut du café, c'est le bon café. Ce qu'on fait, c'est qu'on pompe la machine, on pompe, pompe. Là, faut savoir pomper, en fait, hein. Ah ouais, grave. C'est comme ça qu'on reste éveillé sur la Transat Jacques Vabre, grâce à un bon café. En classe 40, changement de leader à l'approche des îles du Cap-Vert, le duo franco-belge de Volvo s'empare de la pole position. En Ocean 50, derrière la fusée Primonial, la lutte est serrée le long des côtes nord du Brésil. Coesio et Letton sont au coude à coude. Un groupe de trois s'est détaché en Imoca, ils se débattent pour sortir du poteau noir. Thomas Ruyon et Morgan Lagravière jouent les éclaireurs. En ultime, les géants volants se croient sur l'autoroute des Alizés de l'hémisphère sud. Les uns montent vers les Antilles, les autres descendent vers la marque de parcours.